Salut tout le monde et bienvenue sur JD Gamer. Aujourd'hui sur JD Gamer, on se retrouve pour jouer à Super Mario Bros. Wonder. Donc, le jeu n'est pas encore sorti, on peut y jouer en avant-première. Donc, il sort sur Switch exactement le 20 octobre. Donc, ça approche, ça approche. On a le jeu quelques jours avant. Et on va essayer de faire les premiers niveaux, quoi. On va essayer. Donc, ça sera pas bien long. Je fais juste un petit ajustage. Et c'est parti. Ok, donc c'est parti. On va le tester. Donc, nouvelle partie, bien entendu. À 1. Oh, ok, on peut jouer plusieurs persos. Ah, trop bien. J'ai envie de jouer à Yoshi. Je veux jouer le Yoshi bleu ciel, voilà. J'aime bien Yoshi. Surtout quand il est bleu. Je vais augmenter un peu le son. Bienvenue au royaume des fleurs, une contrée proche du royaume champignons. Invité par le prince Florian, Yoshi et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. Allô? Ok, il y a quand même un mode online, on dirait. J'ai fermé le son de ma télé parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le son ça allait pas avec ce qui se passait donc. On vient faire la fête, ok. Mario, Luigi, attendez-moi! Il y a du monde aujourd'hui, ouais. Donc, on revient sur un bon jeu en 2D, hein. Parce que Mario en 2D, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Les derniers Mario, c'était pas mal du 3D. Bon, on aurait eu du 2D par après, mais bon. Vous savez ce que je veux dire, je pense. Bien sûr, un sorcier est obligé de passer. On peut pas juste s'attirer comme ça. Et bien sûr, Bowser qui va arriver. Le Giga Bowser, quoi. À l'aide! C'était le roi Bowser, n'est-ce pas? Comment aussi voler notre fleur prodige et notre beau château? Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose? On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. C'est tout un royaume qui est en danger si on ne fait rien.
Vous allez nous aider? Oh, merci! J'aimerais vous servir de guide si vous êtes d'accord. Juste un instant. Voilà, il va sur la tête de Mario, même si on joue le Yoshi bleu ciel, mais bon, après... On compte tous sur toi! Mon œil, la plaine des tuyaux. Premier pas au royaume des fleurs. Donc, apparemment, il y a deux choses à trouver. Donc, ça, je suppose que dans ce jeu-là, ben, c'est pas des pièces à toile, c'est autre chose. Hein. C'est parti. Oh. Ok. On dirait qu'on n'a pas de limite pour finir le monde. Évidemment, on a du temps, mais là, il n'y a pas de temps. Ok, puis il y a des pièces mauves à trouver. Ah, ok, cool, Yoshi peut bouffer. Yoshi peut bouffer, ce qui est plutôt bien. Stylé ça! C'est stylé qu'on peut se faire ça! C'est le temps parfait pour faire la sieste, ouais. On va pas faire la sieste nous, hein! En fait, nous ce qu'on veut c'est avancer. Ok, on a trouvé deux pièces mauves. Donc, apparemment, il y a des pièces mauves qui en valent 10. Puis, il y en a 3 à trouver. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui remplace ces grosses pièces. Ah, ok. Ouais, jusqu'à maintenant, c'est bien, hein? Oh! Graines du prodige obtenu. Ok, donc c'est des graines de prodige qu'il faut trouver. Là, techniquement, j'en ai une. Puis lui, il me donne la deuxième. Donc, on a terminé le premier niveau. Sans trop de difficultés, mais techniquement, c'est le premier niveau, hein, donc... Youpi, les grands prodiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Ok. Donc, on passe à la parade Piranha. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bien. Le jeu est assez nouveau. Mais il est bien.
J'adore. Donc, est-ce que cette saut-là va nous aider à aller là-bas? C'est la grande question. Il va y avoir un moyen d'aller là-bas, ça c'est sûr. Ah, cool. Flotte de feu. Est-ce qu'on peut les utiliser? J'ai l'impression qu'on peut utiliser les items comme ça. Ah, peut-être qu'on peut les utiliser dans le niveau, mais à l'extérieur. Ah, ce serait pas possible ça, hein? Oh. Ce serait pas impossible qu'on peut juste les utiliser à l'extérieur du niveau. Avant d'entrer dans un niveau comme dans Mario Wii ou ben les autres Mario en tant que tel. Hop là. C'était toi là-bas? Bah oui. Qui veux-tu que ce soit? Ça nous a fait deux. Donc, on va sûrement trouver une pièce du prodige. Ok. Oh, what the f... Oh, ok. Le jeu devient n'importe quoi. Mais c'est quoi ce jeu? Gun du prodige obtenu. Donc on est revenu à un niveau un peu normal. On n'a pas ça tous les jours. Et voilà. On a la deuxième graine du prodige. Même si on ne sait pas trop encore à quoi il sert. Mais ça ne devrait tarder. Ça doit être un peu en fait comme une grosse pièce. Ça, si on veut accéder à un certain nombre de niveaux, tu dois avoir des pièces pour pouvoir y accéder, là. Je vois que ça. Et on est rendu à l'attrape-carapate. Et après le niveau, on devrait savoir à quoi vont enfin servir les graines de prodige. Ah, ok. Ah, je voulais regarder si ça pouvait utiliser un item avant de commencer le niveau. Oh, t'as moi, hein? Allez, à toi.
Je retourne en arrière, les gens, parce que j'ai oublié des choses. Je veux quand même prendre le temps d'explorer le niveau, t'sais. Bon. Techniquement, il n'y a rien, mais s'il y aurait eu de quoi, ben. Au moins, je l'aurais attrapé. Tuyau rouge, on peut rentrer dedans. Il nous reste une piste de 10 mauves à trouver. Puis encore 2 graines de prodige. Donc, c'est le premier monde. Hein? Le premier monde n'est pas trop difficile, mais plus tard, je pense que ça va se complexifier. Viens ici, Koopa. J'ai besoin de toi. Hop là. Donc, on a toutes nos pièces de 10. Là, il y a juste lui qui va nous donner la pièce du prodige. Donc, on espère avoir notre première graine du prodige. Non, ok. Est-ce qu'on peut la revoir du coup? Parce que j'ai raté mon. Non, merde. On peut pas avoir une graine du prodige quand on la manque. Donc en fait, on peut pas manquer notre coup. Si on manque notre coup, il arrive ça. Et du coup, on peut pas la revoir. Donc c'est un peu embêtant. Du coup, on va juste avoir une graine de prodige au lieu de deux. Bon, on va refaire le niveau parce que j'aimerais bien avoir la graine de prodige. J'aimerais avoir l'autre graine de prodige que j'ai raté. Mais je sais que ça me prend un coup pas. Puis qu'il faut que je lance à une. À quelque part en particulier. Donc on va le refaire. Je vais le refaire vite fait là. Mais j'aimerais qu'on ait l'autre graine qui nous manque. Ben, je prendrais pas mon temps de tout les tuer comme tantôt, là. Juste celle-là qui a la graine du prodige. Celle-là. Celui-là, techniquement. Ok, on l'a. On l'a, on l'a, on l'a.
Yes, on l'a eu. Yes. Cool. On peut finir le niveau maintenant. Et voilà, c'est fait. Si vous trouvez, si vous me direz en commentaire si le son est correct, moi, mon montage, je vais l'augmenter en fonction de mon niveau. Mais vous me direz en commentaire si c'est correct ou non. Si vous voulez que je fasse d'autres réglages ou non. Je pense que techniquement, ce serait correct, mais des fois que vous voudriez autre chose. Oh, 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 voilà qui me plaît. Je ne fais plus qu'un avec le château des fleurs et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Wouahahaha. Ce maudit Bowser va tout détruire. Hors de question de le laisser faire. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Ah, j'ai trouvé. On va rejoindre avec une fleur hélico. Ah, ok. Ah, c'est ça, c'est là que les graines vont nous servir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Oh oh oh, mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que personne ne pourra l'arrêter. C'est de pire en pire. Regarde comme cette plante s'est enroulée autour de cette maison. Ouais, mais du coup... Ah, oh, j'ai une idée. On a que une grande prodige. Je parie qu'elles vont venir à bout de la plante. Elles sont trop puissantes après tout. Donc oui. Techniquement, on a plus que 3 graines. Donc on peut les utiliser. On en a 6. Et voilà. Pavillon à badge de la plaine des tuyaux. On va y aller. On va voir qu'est-ce qu'il donne là-dedans. Tout va bien? J'ai eu si peur que j'ai cru que j'allais perdre les pétales, mais j'ai pu garder ce précieux badge à l'abri. Ah, mais oui, les badges sont des objets aux effets variés dont on peut s'équiper. Tous ceux qui voyagent dans le royaume des fleurs aiment beaucoup les utiliser. Prince Florian, si je puis me permettre, j'aimerais vous donner ce badge. En tant que grande dignitaire, je suis sûr que vous en saurez faire le meilleur usage possible. Ah, mais c'est génial! Pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'en mettre un. Je pourrais sûrement me rendre utile grâce au pouvoir de ce badge, alors vraiment, merci. En acceptant ce badge, c'est à moi que vous faites une fleur, Prince Florian. Les badges vont faciliter la vie, n'hésitez pas à vous en servir. Par ici. J'arrive. Parachapeau, dans les airs maintenant pour secouer la tête. Nanana. Ok, donc là apparemment j'appuie sur R. Ah, stylé! Ok. Trop bien. Donc ça va nous être utile hein, pour le prochain niveau sûrement. Regarde un peu cet endroit. Des grands espaces, du vent. Et un autre de ces maudites plantes. On est bon pour aller récupérer d'autres grandes prodiges. Bon, on commence par aller où? Si tu veux consulter la carte, appuie sur L.
Donc, on va appuyer sur L pour regarder. OK. Donc, on sait où on peut aller. Et techniquement, c'est tombé là. OK. Eh bien, on va aller faire une course non-stop pour regarder c'est quoi ce niveau-là. Donc, je pense en gros, faut pas s'arrêter. Et voilà. Donc c'était. Oh. Je vais y tomber de ma chaise déjà. C'était dans le sens, c'était un tout petit niveau facile. Lui, qu'est-ce qu'il nous veut? Bonjour, nanana, ça te. Ok, donc les pièces fleurs, ça sert à acheter des choses. Je vais acheter une graine prodigue. Et c'est tout. Comme ça, on en a 8. On pourra aller voir Bowser si jamais. Et on va faire un niveau normal. Cours, 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 à top. Voilà, on va faire le premier niveau du deuxième monde, si c'est bien le deuxième monde. Et ensuite, on s'arrêtera là, les gens, parce que je veux pas trop non plus que ce soit trop long. Puis un jeu Mario, ben vous connaissez donc. Est-ce qu'on peut l'amener avec nous, lui? Non, mais j'en aurais besoin. Ah oui, viens. Fabuleux. Ok. On l'a eu. Ah, il faut réfléchir un petit peu à certaines choses, hein. Ok. Eh ben. Excellent. Zut. J'ai pas couru assez vite.
En fait, faut courir non-stop, quoi. D'accord, je cours non-stop. Eh non, il est trop tard. Ah non, peut-être pas. Hop, hop. Hop là. On l'a eu. Mais là, est-ce qu'on a passé la maison de du chose? Non, parce que j'ai pas. Ok. Non, je pense qu'on a pas passé. Mais on est correct, on peut continuer. Un drapeau rouge, ça, habituellement, c'est un secret. Oh, il y a trois graines dans celui-là! Il nous en manque une! Zut! Dis donc, tu as récolté pas mal de graines pourries, je suis sûr qu'on peut les utiliser! Allons jusqu'à cette pente à rouler si tu veux bien. D'accord. On va aller se faire le premier bazar, mais moi derrière, je vais refaire le jeu de toute façon. Non, je pourrais pas m'en au premier bazar. Le château est plus loin. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, les gens, on va se laisser là. Mais je vais me sauvegarder. Ouais, franchement, le jeu est très bien. Hein, c'est un nouveau Mario en 2D. Ça, c'est assez cool. Donc, franchement, oui, très bon jeu, très bon jeu. Pour l'instant, de ce que j'en ai fait, c'est très beau. C'est très extrêmement beau. C'est très bien fait. Il y a des idées originales qu'on n'avait jamais vues. C'est spécial, c'est spécial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner plus loin. Mais tu sais, ça reste un jeu Mario en 2D, là, on en a fait plein. Mais ça fait du bien de revenir aux sources un peu. Parce que là, en ce moment, revenir aux sources, c'est pas mal ce qui se fait pas mal aujourd'hui. Là, il y a pas mal de jeux qui reviennent aux sources. Donc, tu sais, c'est... Non, franchement, c'est bien. Un jeu en 2D Mario, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu, donc on se plaindra pas, hein? Un bon jeu Mario. Donc c'est un Mario Wonder qui sort, je vous le rappelle, le 20 octobre sur Nintendo Switch. Sur ce, merci d'avoir regardé tout le monde. Peace!